Mes chers, très chers compatriotes, en tant qu'ex-ministre de l'éducation dite nationale mise au rancard, j'ai décidé d'être chroniqueuse. Aujourd'hui, chronique militante. Dans mes enquêtes de ce début d'année 2017-2018, j'ai découvert une école à Saint-Denis qui se trouve en difficulté pour un sureffectif d'élèves en école maternelle. C'est une école REP qui devrait du coup avoir 25 élèves au maximum par classe et qui se retrouve, après une fermeture au mois de juin, à demander une réouverture pour jeudi parce qu'il se retrouve avec 30 élèves par classe. C'est absolument absurde. J'ai donc décidé de participer avec les parents d'élèves de cette école à une occupation demain matin. Voilà, et donc je vous invite à nous suivre, à venir avec nous. Voilà, c'est exotique, quoi. On tient à ce que la loi soit respectée, nom de Dieu. J'espère que cette chronique militante vous aura plu, c'est ma première. La semaine prochaine, j'espère bien vous amener un autre piment. J'ai un invité surprise. Je vous dis pas qui c'est, vous avez qu'à me suivre. À demain, toutes les infos là, en complément hein, de la vidéo. Au revoir, merci de me suivre.